Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Rejoignez la tour de prière Summer avec la prophétesse Frida Manzioni et le pasteur Bienvenue Manzioni. Tous les mardis et jeudis, de 22h à 23h, au 09 72 61 93 80. Code d'accès 1077. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Summer pour plus d'édification. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce encore ce matin. Alléluia. Shalom à mes frères, à mes sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de vous retrouver encore, de nous retrouver encore sur cette vidéo pour élever notre Dieu ce matin. Alléluia. Je salue mes sœurs. Je salue la sœur Gemma. Je salue la sœur Bakristi. Je salue la sœur Annie. Je salue la sœur Odile. Je salue la sœur Emma, je salue la sœur Madly, je salue la sœur Madeleine, je salue la sœur Adèle, je salue, alléluia, dans le nom de Jésus, la sœur Eugénie, je vous salue tous dans le nom de Jésus, alléluia, je vous salue par la foi car je sais que vous tombez sur cette vidéo, alléluia, je salue mon frère Donna, alléluia, sois béni mon frère, je salue ma sœur Olivia, je salue ma sœur Christy, je salue ma sœur Christine, je salue ma sœur Nadine, je salue mon frère Laurent, je vous salue tous, alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, alléluia, la gloire de Dieu va encore se manifester, alléluia, je le crois. Merci Seigneur, merci pour nos frères de la Guadeloupe, pour nos frères de la Martinique, merci pour nos frères de l'île Maurice et nos sœurs de l'île Maurice, merci pour nos frères et sœurs de la Réunion, merci pour nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, alléluia, de la RDC, de Cotonou, alléluia, nos frères et sœurs du Bénin, nos frères et sœurs du Togo, nos frères et sœurs, alléluia, de partout dans le monde, alléluia, l'île Maurice, je pense que je l'ai dit, l'île Maurice, soyez bénis, vous tous qui êtes attachés, qui avez de l'affection pour la TPS, alléluia, et qui aimez par-dessus tout Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Nice. Sans plus tarder, nous allons commencer notre prière de ce matin. Concentrez-vous comme d'habitude, comme si c'était un live. Concentrez-vous, le plus important, le Seigneur regarde le cœur. Soyez concentrés et prions ensemble ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit ton nom ce matin. Bien-aimé, sans plus tarder, nous allons dire merci au Seigneur. Lui qui a encore permis que nous puissions être encore en vie ce matin. Lui qui nous a accordé la grâce, qui nous a réveillés ce matin, non pas par le réveil, mais par sa grâce. Lui qui, par sa bonté, nous a donné le souffle de vie ce matin. Lui qui, par son amour, a tourné des regards favorables, a tourné ses compassions vers nous. Oui, la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur a encore tourné ses compassions vers nous. Alléluia. C'est une grâce pour nous d'être en vie. C'est une grâce de le louer, car le fait que tu es en vie, cela te permet de le louer encore. Cela te permet de pouvoir encore arranger ta vie. Cela te permet de te donner encore une grâce de te repentir et de marcher selon sa parole. Merci Seigneur. Bien-aimé, glorifions le Seigneur pour ce nouveau jour qu'il nous donne, pour sa grâce. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur mon Dieu, je te bénis ce matin. Je te glorifie ce matin pour ta grâce. Je te glorifie ce matin pour ton amour. Je te glorifie ce matin, Seigneur, pour mon frère. Je te bénis ce matin, Seigneur, pour ma sœur. Je te bénis pour la maison de chaque personne. Je te bénis pour la famille de chaque personne. Je te bénis, Seigneur, parce que tes grâces se renouvellent pour nous encore ce matin. Tes grâces se sont encore renouvelées pour nous ce matin. Merci pour ta bonté. Sois béni, Seigneur, car nous reconnaissons ce matin que tu nous as fait faveur. Dormir peut être naturel pour un homme, mais se réveiller est une grâce qui vient de toi. Seigneur, même ceux qui ne croient pas en toi, ils ne se sont pas réveillés par leur force. Ils se sont réveillés parce que toi, tu leur as accordé la grâce. Tu leur as fait faveur de se réveiller. Nous te bénissons ce matin. Nous te magnifions ce matin. Merci pour le don de la vie. Merci pour ta grâce. Sois béni, sois loué, sois magnifié, sois exalté, Seigneur mon Dieu.
Alléluia. Les anges te louent en ce moment. Nous aussi, nous venons nous joindre aux anges pour te louer, pour t'adorer, pour te magnifier, Seigneur. Alléluia. Car la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Seigneur, oui, nous respirons ce matin et nous te louons. Nous respirons ce matin. Nous avons décidé de te bénir. Nous respirons ce matin. Nous avons décidé de te louer. Nous respirons ce matin. Nous avons décidé de t'adorer. Sois béni, roi de gloire. Sois magnifié, admirable. Oui, Seigneur, tu es l'admirable conseiller. Dans 1 Chronique 4, à partir du verset 9, la Bible déclare, en parlant de Jabet, la Bible dit, « Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia, alléluia. Jabet est né, je peux dire, sous une malédiction. Alléluia. Son nom n'était pas un nom de joie. Son nom n'était pas un nom qui pouvait lui donner l'accroissement. Son nom n'était pas un nom de bénédiction. C'était un nom qui était limité. Un nom limité, alléluia. Sa mère lui a donné ce nom parce qu'elle l'avait enfanté avec douleur. Mais ici, Jabet a invoqué le Dieu d'Israël. Il a refusé de rester dans la malédiction. En plus qu'il n'avait rien demandé, dans une malédiction sans cause, une malédiction où il n'a même pas demandé, alléluia. Il a dit, non, je dois invoquer l'Éternel, je dois invoquer le Dieu d'Israël. C'est pour cela ce matin, bien-aimés, nous aussi nous allons invoquer le Dieu d'Israël. Nous allons prier à Dieu, nous allons crier à Dieu, nous allons invoquer le Seigneur afin qu'il puisse étendre nos limites ce matin, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire « Étends mes limites ce matin, étends mes limites, étends mes limites. Ô Dieu d'Israël, 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 étends mes limites. » Alléluia. Jabet a dit « Si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Alléluia. Jabet a demandé à ce que la main de l'Éternel soit sur lui. Jabet a demandé à ce qu'il ne soit pas dans la souffrance. Jabet a demandé que ses limites soient étendues, que l'Éternel puisse étendre ses limites. Oh, alléluia. Ce matin, nous aussi, nous voulons demander au Seigneur d'étendre nos limites. Étends mes limites ce matin. Alléluia. Merci, Jésus. Qu'il y ait un élargissement dans nos vies. Qu'il y ait un élargissement dans nos vies. Bien-aimés, la volonté de Dieu est d'étendre tes limites. La volonté de Dieu est que tes limites puissent s'étendre. La volonté de Dieu est qu'il y ait un accroissement dans ta vie. La volonté de Dieu est qu'il y ait une croissance dans ta vie. La volonté de Dieu, bien-aimé, est qu'il y ait une augmentation de ton niveau de vie. La volonté de Dieu, alléluia, est qu'il y ait un renforcement des grâces, un renforcement des faveurs, un renforcement, alléluia, de la vie, la vie Zoé dans ta vie, alléluia. Oh oui, merci Seigneur, alléluia. Dieu veut qu'il y ait une accélération dans ta vie, dans la vie d'une personne ce matin, qu'il y ait un changement, qu'il y ait une bénédiction, alléluia, qu'il y ait une grâce qui puisse s'écouler, qu'il y ait un accroissement dans tous les domaines, dans le nom de Jésus, qu'il y ait une délivrance dans la vie d'une personne ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier avec moi ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu vas dire ce matin, comme Jabet, alléluia. Tu vas dire ce matin, oh Seigneur, bénis-moi et étends mes limites. Alléluia. Que ta main soit sur moi et me garde de tout mal. Alléluia. Bénis-moi, Seigneur, ce matin et étends mes limites. Que ta main soit sur moi et me garde de tout mal. Prions le Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, ce matin, nous venons encore devant toi. Ce matin, nous venons encore devant le trône de la grâce, devant le trône de la vie, devant le trône, alléluia, de la puissance, devant le trône, Seigneur, mon Dieu, mon roi du changement, devant le trône de l'élargissement. Seigneur, nous venons devant toi afin que tu puisses encore étendre nos limites ce matin. Nous disons comme Jabet, bénis-moi ce matin, bénis une personne ce matin, bénis-moi ce matin, Seigneur, et étends mes limites. Bénis-moi ce matin, Seigneur, et étends mes
mes limites. Bénis-moi ce matin et que ta main soit sur moi, que ta main soit sur mes enfants, que ta main soit sur ma famille, que ta main soit sur mon foyer, que ta main soit sur mon mariage, que ta main, Seigneur, soit sur mon travail, que ta main soit sur mes projets, que ta main soit sur ma destinée. Oui, Seigneur, que ta main soit sur moi, que ta main soit sur moi et garde-moi de tout mal. Je prie, Seigneur, que tu me gardes de tout mal ce matin. Garde-moi, Seigneur, des ruses de mes ennemis. Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des ruses de la sorcellerie. Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des ruses, Seigneur, du diable, dans le nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, étends mes limites ce matin, étends mes limites. Enlève, Seigneur, l'insuccès, enlève les échecs, enlève, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les adversités. Oh, enlève, Seigneur, les maladies chroniques, enlève les échecs chroniques. Ce matin, Seigneur, je prie que tu puisses étendre mes limites. Étends les limites d'une personne ce matin. Je prie, Seigneur, que tu puisses étendre les limites d'une personne ce matin au nom de Jésus. Étends les limites de ma sœur ce matin. Étends les limites de mon frère ce matin. Oui, Seigneur, qu'il puisse avoir une vision d'aigle, qu'il puisse voir loin et que, Seigneur, il puisse arriver. Oui, Seigneur, qu'il puisse penser quelque chose et qu'il puisse l'acquérir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il y ait un accroissement, Seigneur, dans la bénédiction, dans la grâce, dans la miséricorde, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, bénis une personne ce matin, étends ses limites, là où l'ennemi avait mis des restrictions, Seigneur, que cela soit brisé maintenant, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin, d'étendre, d'accélérer une personne ce matin. Accélère la vie d'une personne ce matin. Qu'il y ait une grâce de l'accélération. Qu'il y ait l'onction de l'accélération divine. Dans le nom de Jésus. Et que, Seigneur, là où il y avait toujours des échecs, là où il y avait toujours des problèmes, oui, Seigneur, que maintenant, que la solution puisse arriver. Que maintenant, la restauration puisse arriver. Que maintenant, la grâce puisse arriver. Que maintenant, Seigneur, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, que maintenant, Seigneur, qu'il y ait restauration. Dans le nom de Jésus. Règne, Seigneur, dans ta gloire. Règne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ton pouvoir. Viens régner dans la vie d'une personne, Seigneur, ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus. Règne, Seigneur, qu'il y ait une réparation dans la vie d'une personne. Dans le nom de Jésus. Règne, Seigneur. Là où il y a la maladie, Seigneur, qu'il y ait une guérison. Étends les limites d'une personne ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, maintenant tu vas prendre autorité. La Bible déclare, alléluia, notre Seigneur a dit, le Seigneur Jésus a dit, voici, je vous ai donné. Notre Seigneur Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu vas prendre autorité. Tu vas dire ce matin que les limitations et les restrictions placées sur ma vie par des mauvais esprits soient brisées au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce matin, nous voulons brise les limitations et les restrictions qui ont été placées dans ta vie par l'ennemi, par le monde des ténèbres, dans le nom puissant de Jésus ce matin. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur, car tu m'as donné l'autorité. L'autorité de marcher sur les serpents, l'autorité de marcher sur les scorpions, l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et ce matin, Seigneur, je prends autorité, je déclare, Seigneur, que toute limitation, que les limitations et les restrictions, Seigneur, qui ont été placées sur ma vie par les mauvais esprits, Seigneur, soient maintenant brisées au nom de Jésus. Que toute restriction et toute limitation qui a été placée sur ma vie par le monde des ténèbres, par la sorcellerie, par les esprits mauvais, Seigneur, que cela soit brisé ce matin dans le nom puissant de Jésus. Alors que je dévance l'horreur, je brise maintenant tout esprit de limitation. Je brise maintenant tout esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de restriction qui a été placé sur moi, sur ma vie.
vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma famille, sur ma destinée. Je brise cela ce matin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, car ta parole déclare sur moi, lève-toi et brille, car ta lumière paraît et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oui, ce matin, Seigneur, je décide et je déclare que je me lève. Je déclare ce matin que je brille. Je déclare ce matin, Seigneur, que ta lumière paraît sur moi. Je déclare ce matin que ta lumière paraît sur ma famille. Je déclare ce matin que ta lumière paraît sur mes enfants. Je déclare ce matin que ta lumière paraît, Seigneur mon Dieu, sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Je déclare que toute limitation est brisée ce matin. Au nom puissant de Jésus. Je me lève ce matin et je déclare que je brille. Je déclare que je brille. Je déclare que je brille. Parce que je brille, toute restriction, toute limitation de célibat chronique qui a été mis sur ma vie est maintenant ôté au nom puissant de Jésus. Alors que je brille, je déclare ce matin que mon conjoint me localise dans le nom puissant de Jésus. Oui, ce matin, je déclare que je me lève et je brille au nom de Jésus. Toute limitation qui a été mise sur ma vie pour pas que je travaille, pour qu'il y ait un chômage chronique sur ma vie, je déclare ce matin que cela est brisé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare ce matin que le travail me localise. Que le travail me localise. Quand je vais aller chercher du travail, je serai la bonne personne. Je serai le bon candidat. Je serai le bon candidat. Je serai la bonne personne. Je serai le bon candidat. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prends autorité contre les limitations, contre les restrictions. Placé sous mes pas, placé sur ma vie, placé sur ma destinée, dans le nom puissant de Jésus, que cela soit brisé. Alléluia. Oui, car la Bible déclare, Seigneur, tu dis dans ta parole, car voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Seigneur, merci, car ce matin, tu te lèves sur moi. Ce matin, tu te lèves sur moi. Je déclare que ce matin, tu te lèves sur une personne. Alléluia. Ce matin, tu te lèves sur nous. Ce matin, tu te lèves sur nous. Alléluia. Que les ténèbres recouvre la terre n'est pas un problème, mais une chose est importante pour nous, une chose est une réalité pour nous, une chose est une vérité pour nous, et que Seigneur, sur nous, l'Éternel se lève. Sur une personne, tu te lèves ce matin, sur une personne, Seigneur, tu te lèves dans la vie de ma soeur ce matin, tu te lèves dans la vie de mon frère ce matin, alléluia, tu te lèves, Seigneur, tu dis dans ta parole, sur toi, sa gloire apparaît. Sur moi, Seigneur, ta gloire apparaît. Sur la vie de mon frère, ta gloire apparaît. Sur la vie de ma sœur, ta gloire apparaît. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Merci car c'est toi qui élargis nos limites dans le nom puissant de Jésus. Tu élargis mes limites ce matin. Tu élargis mes limites ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas demander au Seigneur ce matin. La Bible déclare que nous sommes affranchis par la vérité. Nous sommes affranchis par la vérité. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pour cela que nous allons prier ce matin, bien-aimé. Tu vas dire ce matin, ô Seigneur, que je grandisse dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Que je grandisse dans la connaissance de ta parole. Que je puisse grandir. Alléluia. Quand tu grandis, ça veut dire que tu ne restes pas dans la limitation. Que je puisse grandir dans la connaissance de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de ta parole, dans la connaissance de tes révélations, dans la connaissance de qui tu es. Alléluia, dans la connaissance de qui tu es. Prions le Seigneur, alléluia. Oui Seigneur, ce matin nous prions que tu puisses, Seigneur, encore élargir nos limites, que nous puissions te connaître, que nous puissions grandir dans la connaissance de ta parole, que nous puissions grandir, Seigneur, dans la connaissance de qui tu es, que nous puissions grandir dans la connaissance de ta révélation. Alléluia, car la Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Et tu dis encore, Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien des fois, Seigneur, nous sommes encore, Seigneur, contrits. Nous sommes encore, Seigneur, limités parce que nous ne connaissons pas la vérité. C'est pour cela que nous prions ce matin, Seigneur, que tu puisses nous ouvrir les yeux à connaître ta vérité. Que tu puisses nous ouvrir les yeux à connaître ta parole. Que tu puisses nous ouvrir les yeux, Seigneur, à comprendre, Seigneur, ce qui est caché dans ta parole. Afin que, Seigneur, nos limitations puissent être brisées. Afin que les barrières de limitation dans nos vies qui sont liées à l'ignorance
ignorance puisse être brisée dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, afin que Seigneur nous puissions croître, Seigneur, en sagesse et en stature, dans le nom puissant de Jésus, afin que nous puissions croître, Seigneur, dans la révélation de ta parole. Oui, Seigneur, nous prions ce matin que tu puisses, Seigneur, nous élargir. Élargis-nous dans la connaissance de ta parole. Élargis-nous dans la connaissance, Seigneur, de qui tu es. Élargis-nous dans la connaissance de ta révélation, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Élargis une personne ce matin. Élargis une personne ce matin, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous sommes presque arrivés à la fin. Je vais prier et ensuite, nous allons nous arrêter là. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Père, merci pour ce temps de prière. Je te bénis, je te loue et je te glorifie. Père, au nom de Jésus-Christ, je te donne encore, Seigneur, la gloire. Je te remercie encore, Seigneur, pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci, Seigneur, car c'est toi qui nous fais croître dans ton abondance. Merci, Seigneur, car c'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui nous relève, Seigneur, de nos petitesses. Merci, car c'est toi, Seigneur, qui nous donne la grandeur. Merci, car c'est toi qui nous réconforte de tous côtés. Quand l'ennemi vient pour nous frapper, quand il vient, Seigneur, comme un fleuve, c'est toi, Seigneur, qui le met en fuite. Nous te bénissons, Seigneur, nous te glorifions. C'est ton esprit qui le met en fuite. Nous t'exaltons ce matin. Merci, Seigneur, car tu nous élargis de tous côtés ce matin. Merci, Seigneur, car tu nous fais encore du bien. Tu nous multiplies et tu nous bénis ce matin. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu. Sois béni, sois loué, car tu dis dans ta parole, Seigneur, et je ferai resplendir la maison de ma splendeur. Alléluia. Oui, merci, car ce matin, tu nous appelles la maison de ta splendeur. Là où l'ennemi, Seigneur, voulait gâter, là où l'ennemi voulait tout abîmer, là où l'ennemi voulait, Seigneur, mon Dieu, m'aura faire des dégâts. Mais toi, tu es venu pour nous rattraper encore ce matin, et tu nous appelles la maison de ta splendeur. Merci, car tu fais de nous ta splendeur. Merci, car tu nous élargis. Tu nous élargis dans nos finances, tu nous élargis dans notre vie spirituelle. Tu nous élargis, Seigneur, dans notre connaissance de ta parole. Tu nous élargis, Seigneur, mon Dieu, dans notre vie de prière. Tu nous élargis, Seigneur, mon Dieu, dans notre vie, Seigneur, de guérison, dans notre santé divine. Tu nous élargis dans la santé divine. Tu nous élargis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans la vie relationnelle, dans le mariage. Tu nous élargis, Seigneur, dans la vie professionnelle. Tu nous élargis, Seigneur, dans la vie mentale. Tu nous élargis dans la vie psychologique. Tu nous élargis de tous côtés. Seigneur, rien, Seigneur, ne saura nous manquer, car c'est toi qui nous élargis, c'est toi qui nous multiplie. Que toute la gloire te revienne ce matin, que toute la gloire te revienne ce matin, dans le nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. Tu dis dans ta parole, alléluia, au lieu du bronze, je ferai venir de l'or, au lieu du fer, je ferai venir de l'argent, au lieu du bois, du bronze, et au lieu des pierres, au lieu des pierres, du fer. Merci, Seigneur, car c'est toi qui changes la condition d'une personne ce matin. Merci, Seigneur, car c'est toi qui changes la vie d'une personne ce matin. Merci, Seigneur, car c'est toi qui métamorphose la vie d'une personne ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare en ce jour, Seigneur, que le bonheur et la grâce nous accompagnent ce matin, en cette journée, Seigneur, et tu nous élargis de tous côtés. Ta faveur nous accompagne. Ta faveur et ta grâce, Seigneur, augmentent dans nos vies, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci, car la méditation de ta parole, l'amour de la méditation de ta parole augmente dans nos vies, Seigneur. Il n'y a plus de limitation. Il n'y a plus de limitation dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, car en cette journée, Seigneur, tu agrandis nos pas. Tu agrandis nos pas. Tu agrandis nos pas, Seigneur, afin que nous puissions recevoir ta richesse et ta prospérité. Alléluia. Tu élargis, Seigneur. Tu élargis la délivrance dans nos vies ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, ce matin, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, car tu vas encore nous multiplier de plus en plus. Tu vas nous élargir. Tu vas, Seigneur, élargir nos limites. Tu vas élargir nos limites de la même manière que tu l'as fait pour Jabeth. Que toute la gloire te revienne, Seigneur.
dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu nous bénis de toutes sortes de bénédictions. Et tu nous as déjà bénis, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Merci, Père. Merci pour ton amour à l'égard d'une personne ce matin. Merci pour ton amour à l'égard d'une personne ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, car la confusion ne sera pas notre partage et n'est pas notre partage. Mais Seigneur, l'extension, l'élargissement, la grâce, la bénédiction, la faveur, la bonté, alléluia, est notre partage dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons trois fois Amen, 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 Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. On se retrouve donc ce soir. Nous sommes mardi, ce soir, nous avons prié de 22h à 23h. Au 09 72 61 93 80 et le code d'accès c'est 10 77. Pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous mettez juste le plus 33 9 72 61 93 80. Code d'accès 10 77. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. N'hésitez pas à aimer la page Facebook de La Tour de Prière Semeur, alléluia, et le compte Facebook c'est Tour de Prière Semeur TV, et aussi vous pouvez aussi me joindre sur ma page Facebook à moi, Prophétesse Frida Manzioni, ou encore sur le compte, le profil Facebook Célia Frida. Et vraiment je vous souhaite une excellente journée dans la présence du Saint-Esprit qui est avec nous, alléluia, jusque dans l'éternité. Et aussi n'oubliez pas s'il vous plaît, donnez une offrande à cette vidéo. L'offrande, ce n'est pas l'argent, c'est juste j'aime la vidéo, aimez la vidéo, partagez-la à vos contacts. Elle fera du bien, sûrement à une personne. Et quand cette vidéo fera du bien à une personne, vous serez aussi bénis. La bénédiction viendra aussi sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Ciao, ciao. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Tour de Prière Semeur, pour plus d'édification.